Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Inside. Donc c'est un jeu très similaire à Little Nightmares que j'ai déjà pu faire sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Et ouais, du coup on va tester ce jeu et je me suis jamais fait spoil et tout, donc je me suis dit il a l'air intéressant en plus, donc vas-y, pourquoi pas tester. Ok, attendez, j'apprends juste les commandes. Pour l'instant, je peux juste sauter, je peux pas sprint. Enfin, ça sprint normal comme ça, comme si je marchais quoi, mais bon. Comment je fais pour m'accroupir? Ah, je sais pas. Ah, fallait que je saute dessus, ok. Les bruitages ils sont bien faits. Hein. Ça a l'air grave bien. En tout cas, l'époque elle a l'air d'être plus. L'époque elle a l'air d'être plus moderne. J'ai cru qu'il allait m'écraser. Ok. J'ai pas trop vu ce qu'il y avait dans le camion, mais. Il y a des personnes, je pense. Je pense pas qu'on. Ok, il y a une genre de capsule comme ça. Pour l'instant, j'ai l'air d'être un enfant. Je suis pas si différent que les autres. J'ai vu qu'ils avaient un masque. Ah si, il y a le camion là-bas. Ah, faut que je le pousse ça. Non, je sais pas. Ah si, c'est bon, ok. Donc carré, c'est la touche pour maintenir. Panneau avec un U, je sais pas ce ça signifie quoi, mais donc ouais, là du coup en fait je pense qu'on suit vraiment le camion, on va voir d'où ça mène. J'entendais un bruit bizarre. Alors, bien une cité attraper, déplacer, sauter. Il y avait un truc là-haut, non? Ouais, voilà. Ah, c'est vraiment casse-tête, c'est vraiment comme Little Nightmare. Ouais, il n'y a que 3 touches, hein. C'est largement suffisant, mais bon. En tout cas, on peut pas s'accroupir. On m'a repéré. Okay, je me suis agrippé. On va sûrement aller me chercher. C'est pas le camion là-bas, c'est une camionnette. Donc ouais. Ok, on rentre un peu plus dans la forêt. Ok, je peux juste aller tout droit, hein. Je peux pas bouger de gauche à droite. Et ils vont me choper, non? Non, ils veulent m'attraper. Ah, ok, je viens de comprendre. Tronc d'arbre.
Si ça recommence après, si c'est scripté, c'est dans l'histoire longue. Non, ok, ça recommence. Nickel. Je sais pas pourquoi ils veulent nous chasser. Passe des brigands ou la civilisation qui est comme ça, comme dans Little Nightmare où ils sont tous. Ils veulent tous nous buter. On va se dépêcher. Je sais pas ce qu'il fallait faire en vrai. Ah, c'est scripté, non? Non, peut-être pas. Et je cours. Mais je sais pas pourquoi ils me veulent du mal comme ça. Je peux pas la. Ah mais peut-être faut pas que je me lance direct dans la lumière de. Ouais. On va y aller. Je vais essayer. Je vais essayer un autre truc. Donc là je vais rip-hop dans la lumière. Si je reste ici. Ah ouais, mais c'est chaud là. Je suis obligé de passer en fait. Ouais, hip hop. Ouais, je peux rien faire. Attendez, il n'y a pas une commande vraiment pour sauter, déplacer, vibration. Ah, ça m'a l'air compliqué en vrai parce que je vois pas d'autre passage et. Il arrive un peu en retard. Ah, faut attendre qu'il passe, ok. Non, c'est bon, j'ai okay. J'ai eu de la chance. J'ai essayé d'esquiver en sautant, mais je sais pas si ça fait. Ah ouais. Oh, j'ai de la chance qu'il y avait de l'eau. La respiration, on va nager sous l'eau. La qualité, elle est vraiment bien. Ça, je sais pas s'il y a ça dans le jeu, mais je pense pas. Ça aurait été bien qu'ils mettent des points de compétence. En mode comme ça tu peux améliorer ta respiration et du coup après tu peux accéder à des levels secrets dans le jeu. Ça serait pas mal en vrai. Mon perso si je serais développeur j'aurais déjà mis ça. Mais je pense que ils ont déjà mis ce genre de truc dans d'autres jeux sinon j'aurais pas eu l'idée. Bon on va où là? Maintenant on est plus en. Oh merde, je fais mieux d'aller. Maintenant, on est plus dans un lieu agricole, paysan. Quoi, il y a une trappe? J'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic. Attendez, c'est un level secret. J'ai appuyé sur carré sans faire exprès.
Et vraiment, j'ai juste appuyé sans faire exprès. Hein. Je sais pas si. Je pense que c'est vraiment un truc secret. Ah ouais, mais c'est glauque ici. Il y a une genre de. Ah, j'ai fait une connerie. Trophée obtenu, champ de recherche. Il y a des photos et tout. Un genre de petit code comme ça. Il y a pas l'air d'avoir de courant, donc ça fonctionne pas trop. Mais c'est pas là pour rien non plus, donc j'essaie de chercher un peu. Il n'y a pas un truc dans l'autre pièce. Ça par terre, je peux pas le ramasser. Non, bah écoutez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre. Ok, ça bouge, mais y a pas, on dirait pas que ça fonctionne. Donc, on va laisser ça ici. Peut-être on y retournera si on pourra. En fait, lui, je suis resté appuyé sur le carré. Là, il y a un truc là. Non. Je suis resté appuyé sur le carré parce que sur l'item ennemi, il faut appuyer sur le carré pour courir. Et du coup, ça m'a fait enlever un truc. Et il me dit, ah, il y a quoi ici? Du coup, voilà. Il y a des poussins qui me suivent. C'est des cadavres d'animaux, ça? C'est stylé en vrai, hein. C'est bien fait. Je sais pas à quoi ça sert. Mais il y a quoi ici? Ah, ok. Par là. Ah, ok.
Ah ouais. Là, je commence à avoir un vrai QI, hein. Merci, Little Nightmare. Avec Showbail les poussins. J'ai sauté, je sais pas s'il fallait faire ça. Si. Ah, il y a des verres et tout. Je sais pas pourquoi on est dans une ferme, je sais pas si c'est en rapport avec l'histoire ou c'est vraiment aléatoire les lieux, mais bon. En tout cas, on veut juste aller à droite avec notre personnage. Ah, je peux monter comme ça, ok. Et il est à moitié mort, il a un verre dans les fesses et... Il m'a buté comme ça en me chargeant. Ah, peut-être faudrait que je fasse plus doucement. Oh, j'ai scripté le truc. Oh non, merde. Avec deux coups, il était... Je l'ai guéri. Du coup, là, il va m'apprécier, non? Ah, ok, la lumière. Ça les contrôle comme ça, ok. Ah mais... Ah ouais, c'est vraiment glauque. C'est compliqué, hein. Ok. Ah, là j'aime bien quand j'ai réussi du premier coup, si je veux dire. C'est des clones qui se font contrôler. Bref, maintenant on n'a plus besoin de ça. Je la ramène pas, je pense qu'elle ne sert à rien là. D'accord, les autres ils ont besoin d'être à 4 pour soulever une porte, lui il est un petit enfant tout seul, il la soulève tout seul. Tout seul. Et des voitures et tout.
J'arrive pas à savoir. Oh, c'est quoi ça? Et c'est vraiment le même style que Little Nightmare. Hein. C'est vraiment un vrai délire, hein, les deux. Ah oui, c'était le camion qu'on a vu avant. Il y a plusieurs personnes dedans. Ils se font transporter comme ça. Et c'est vraiment, vraiment comme dans Little Nightmare. On voyait les gens qui se faisaient, qui montaient dans le bateau et tout. On savait pas trop pourquoi. Après, on comprenait au fil et à mesure du temps qu'on les voyait. Même les casse-têtes, hein, c'est les mêmes techniques et tout. D'ailleurs, les ténèbres, quand j'y pense, maintenant ça m'aide. C'est pour ça que je réussis. Je pense, hein, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi dans le jeu un peu. Il y a une chaise. J'entends les poussins. Pense que les poussins. Ah non. Bon, ils sont peur. Ok. Alors. Ok, il y a un truc en haut avec un levier. J'ai capté. Ah ouais, mais non. Ok, ça marche. Tac. Suis mort? Ah non, ok. Ah si, peut-être. Ouais, je pense que je suis mort. Ok. Ah non, il n'y a rien à droite. Okay. Je pensais qu'on pouvait marcher sur la poutre et tout, mais ça a pas l'air de... Lâche. Oh putain, il est chiant. Il y a encore une sorte de diode comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. On dirait des mini-réacteurs nucléaires. L'arme à gauche, trophée obtenu. Ok. Ok. Entre eux comme ça. Ah faut... Ok, il y a un code à droite et il faut que ça soit les deux dans le blanc, je suppose. Hein, parce que là on a du rouge et du blanc, et le blanc ça m'a l'air une couleur positive donc... Ah oui, il y a les plaques par terre. Ok. Et l'autre quand il marchera, oh, ok. Ah oui, il y a un mur à droite, du coup ça peut les faire décaler, non?
Ça sert à quoi? Ah, ok, ouais, ok. Il ouais, faut toujours bien analyser tout ce qui est possible et après on peut peut-être trouver. Voilà. Oh, punaise. C'est pas évident. On est dans une station de métro abandonnée. Enfin, c'est un peu abandonné partout. Vous ferez dire depuis avant on fait de l'urbex. Donc, pourquoi pas continuer notre aventure dans cet endroit si spécifique. Enfin, il y a quand même un métro dans la campagne. J'entends un bruit. Un petit toquement, je pense que c'est quelqu'un qui marche. Ah oui, on va regarder. Les gouttières et tout, il y a pareil dans Nintendo. Il y a plusieurs camions. Là, on voit au fil et à mesure du temps comment ça se passe et on verra à la fin comment ils sont redirigés. Voir s'il y a un boss qui les contrôle comme dans Nintendo. Ça fait du bruit. Qu'est-ce que tu de rien? Ils sont vraiment possédés, donc là ils me voient pas. Enfin, je vous ferais dire, on n'a pas d'œil, mais bon. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a un peu de tout. Il y a des gens un peu plus gros, un peu plus maigres. Hein, tout type de personnes, donc. Ça peut être aussi la population, quoi. On dirait un robot Wally. Il y a ça aussi. Bon, je sais, je suis très chiant à faire des références à Little Nightmare, mais on se fait buter aussi quand on va dans une certaine lumière avec un œil. Ah ouais, ok, il y a vraiment une vraie technique pour aller. Non, peut-être faut que je l'ouvre en avance. Parce que si on peut l'activer et le désactiver, je pense que c'est pas pour rien. Voilà. Là, ça active le courant et donc pour tout ça active. Donc, y compris l'ascenseur, donc on pourrait pas y aller sans l'avoir activé, sinon c'est trop facile et il n'y aurait pas d'intérêt, mais bon.
J'ai tué quelqu'un. Ok, on fait semblant. On dirait Squid Game. Faut vraiment être bien dans le rythme. Les gens masqués qui nous contrôlent. Ah merde, il fallait sauter, oui c'est vrai. Ok. De droit soleil le bail. Okay, on n'est plus observé par l'agent de caméra. Comme à l'époque, les camps de concentration et tout, je faisais passer en ligne et tout. Et il m'a déchiqueté, lui. Et j'ai été identique pourtant. Peut-être faut que je sois plus. Plus précis. Mais merde, là je me fais. Ok. Et si je passe à droite? Parce qu'honnêtement, il n'y a pas d'autre moyen, j'ai été précis. Il y a le tableau pour se repérer et tout, d'où on doit s'arrêter.
plus rapide que moi, c'est désavantageux. Ah, je peux pas l'esquiver. Faut vraiment que j'aille à droite. Ah, je peux pas l'esquiver. Ah ok, j'ai compris. Ok, là ça va le faire retarder. Ok. Bye. Ah ouais, ok, je vois le délire. Ok, la chaise derrière, je peux pas la prendre. Ok, il y a un rebord là-bas. Ok, nickel. Ça, je le mets à droite. Maintenant que c'est ouvert. Ok, nickel. Attends, j'aime bien, je comprends assez vite là. Je suis assez satisfait. Là on a, je pense c'est une piscine vu le plongeoir. Enfin on dirait un plongeoir quoi. Ok, donc je peux m'arrêter ici en vrai. Oh j'ai pas. J'ai mis clic pour sauter donc je. Et au final ça marche assez bien donc. Ah ok, je peux pas. On va là-bas. Y a rien à faire là-bas. Ah, y en a un autre au-dessus pour lui. Ah mais là on fait double contrôle, enfin bref. Merde. Ah bah ouais, du coup je suis mort. C'est pour me protéger du coup je pense, pour éviter de pas tomber.
rappeler comment j'ai fait? Ah non, oui. Je peux pas lui enlever. Je peux pas prendre de carton là. Non, ok, ça va m'enlever. Et si je prends de l'élan? C'est peut-être possible. Ah non, c'est pas possible. Peut-être si je m'enlève maintenant. Je me remets comme ça. Ah non, attends. Attends, du coup, faut refaire toute la manipulation. Ah mais du coup, je peux pas me lâcher ici. Ok, j'ai capté. Viens par là. Tac. Tac. Là, on s'enlève. Je me remets. Voilà. Oh punaise, c'est pour l'instant c'est le seul truc qui a été difficile et c'est que le début. Faut que je me jette dedans, je pense. Ah non, faut vraiment que j'aille tout à gauche. Ok, je pense qu'on va terminer sur ça. Je fais ça. Après, je sais pas si ça sauvegarde automatiquement. Ok. T'as rien à gauche, non? Il est sous l'eau. Sous l'eau, y a rien aussi. Ah, c'est ici, je pense.
Non, même pas. Bref, je sais pas. Je sais pas. Bref, je pense que ça sauvegarde automatiquement. On va se laisser là pour ce premier épisode. Et franchement, le jeu là, il est vraiment bien. Je crois vraiment qu'il fait faire ce let's play. Enfin, j'ai vu qu'il est pas très long à jouer, donc pas grave, mais bon. On va faire avec. Bref, on se laisse là. Ciao tout le monde.